amis, c'est Elfie et bienvenue pour ce 8e épisode du challenge Descendance. Dans l'épisode précédent, nous avons eu la surprise d'accueillir des jumelles, Amy et Prune. Sarah Jonas vont-ils s'en sortir avec leurs jumelles? Réponse maintenant! Et vous pouvez voir que la maison a encore changé. Normal, j'ai dû refaire des travaux. Merci les jumelles! Alors, à l'étage, nous avons la chambre des jumelles. Mais faut dire que plus tard, je serai obligée de rallonger sur ce côté-là pour accueillir un autre enfant. Espérons un garçon, parce que si j'ai encore une fille, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Parce que la prochaine génération, il me faut un garçon. Si j'ai encore une fille, je vais rester encore sur la génération de Sarah, jusqu'à temps qu'elle ait un garçon. Donc prions ensemble qu'elle a un garçon la prochaine fois. Je vais attendre que les jumelles atteignent au moins la moitié des compétences demandées avant qu'elles vieillissent. Donc on attend déjà qu'elles vieillissent. Là, elles sont toutes calmes, c'est bien, soyez sages. Et après, je lancerai un nouveau crac-crac pour faire un nouveau bébé. Donc j'ai créé une petite laverie. La chambre n'a pas changé. La cuisine non plus, ces crânes il faut nettoyer, merci, essuyer. Le salon j'ai un peu changé, j'ai déplacé la cheminée ici et j'ai rajouté quelques petits décos. Donc vous voyez, j'ai mis les photos des bébés et j'entends les filles pleurer. D'abord on va prendre une bouture, comme il demande une bouture. Prendre une bouture et après tu vas tout récolter. Hop, tout récolter. Jonas il va bien s'occuper de ses enfants là, un peu là. Hop, va t'occuper de tes filles. Alors, bonjour, nourrir. Après, tu vas faire bercer. Doucement, les filles. Tu mets une maison, s'il te plaît. On garde pas son manteau dans sa maison. Jonas, Amy, elle a besoin qu'on lui change la couche. Merci. Botanis 6. Oh, l'eau qui va pas bien. C'est bon, tu t'occupes. Change-lui la couche. Elle veut que tu lui changes la couche. Va lui donner à manger. Et je pense que tu vas aller promener Loki. Il veut une promenade. Une cour de promenade. Et voilà. J'ai fait une belle petite séance photo là de Bibi. On mettra ça plus tard. Jonas meurt de froid. Mais pourquoi il a pas mis son manteau? Il est tête de nœud là. Non, mais c'est pas le moment de mourir. J'ai pas envie de repartir à la chasse d'un homme. Oh. Mets ton manteau, là. Alors, non, on va pas le draguer. Non, c'est terminé. C'est trop tard pour lui. Il fait froid dans la maison, quoi. Mais non, il y a le thermostat. Elle est trop belle. Regardez, j'ai changé sa petite tenue, là. Ah non, les chiens se disputent. Non, Bibi. Et Loki, c'est quoi, ça? Dis. Oh. Jonas, il y a les filles qui pleurent. Ça va, t'es pas trop jaloux, Pierre? Allez, rentre chez toi, Pierre, il est bientôt 19h. C'est des jeunes parents, fatigués, hein? Ils ont besoin de repos. Non, je veux qu'elle avance dans ses compétences, donc tu vas jouer. Allez. Non, Jonas, tu vas t'occuper de Prune. Nourrir. Apaiser. Mais arrêtez de faire caca partout. Ah, oh, c'est pas possible, hein? T'as encore un bébé qui pleure, hop. C'est Prune, hop. Tu changes ta couche et tu apaises. Chacun son tour, hein. La dernière fois, c'était Sarah qui s'occupait que des filles. Il est 7h, c'est l'heure d'aller au boulot. Tu vas aller au travail. D'abord, tu vas aller changer la couche, nourrir. Et après, tu iras prendre ton bain. Bon, il va être un peu en retard au travail, c'est pas grave. C'est bon, hop, tu vas prendre ton petit-déj, prends les restes. Elle est tendue, t'es en mal d'amour, ma chérie? Oh, voilà, votre mère, elle est là. Mais non, elle a déjà mangé, faut l'apaiser. Oh, voilà, Amy s'est endormie. Elle a pas fait exprès, ta mère. Bon, les filles, faut arrêter de pleurer tous les 5 minutes, hein. Je suis méchante avec mes bébés. Ah, là, il y a une urgence. Il faut changer la couche. Tu vas changer la couche et tu vas nourrir en même temps, comme ça. Ça sera fait. Allez, tu me répares ça, là. Parfait. Tu me nettoies tout ça.
avec le père, tu vas apaiser tes filles. Au niveau du travail, prends voir une cause avec succès, avec succès. Tu feras ça avec ta femme. Regardez ce beau moment. J'adore. Oh non, il a loupé les photos de sa femme. Mais qu'est-ce qu'il est nul, lui. Bon, j'espère qu'il a pas loupé les photos cette fois-ci. Hein. Exceptionnel. Et elle, j'ai même pas regardé pour elle. C'est bon, on a au moins une de chaque. C'est bon, on a des belles photos. Attends, je voulais faire en même temps, mais l'autre elle est partie. Nous sommes à l'épisode 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc elle va être pénible, des petits fasteurs de trous qui adorent pleurer, faire des bêtises, piquer des crises de colère, mais se faire remarquer le rend heureux. Et il les aide à surmonter des états des esprits négatifs. Mais moi, ça va pas me plaire, ça. Et prune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non ! Une pénible aussi, super ! Les deux jumelles sont pénibles. Ah, oh, elles sont rousses comme leur mère. Super ! Super, super, super. Et on va tout de suite les relooker. Voilà pour Prune. Et voilà pour Amy. Hop, voilà. C'est bon. Regardez, voilà mes petites filles, mes petites jumelles. Tu sais quoi? Je vais t'apprendre comment tu t'appelles, Prune. Allez, aller faire pipi. Allez, hop. On recommence tout de suite. Pour que les filles vieillissent, elles doivent valider une compétence complète, donc au max, et trois compétences au niveau 3. Donc voilà les objectifs que je dois atteindre pour que les jumelles vieillissent. C'est bien. Développe ton imagination, ma petite Amy. Et nous, on va aller faire pipi. Donc, c'est parti pour le niveau du pot. Il est déjà 19h. Comment elles sont au niveau... Il est que 20h et elles sont en pleine forme. Comment on va faire? Oh, elle est contente. C'est bien. Tiens, hop, tu vas apprendre aussi à Amy. Hop. Mais arrêtez de bouffer des gâteaux, c'est quoi? Des biscuits. Il a fait des macaronis, là. Oh, regardez. Ils sont trop mignons. Regardez-le. Je t'ai dit d'aller dormir, ma cocotte. Tu vas aller dormir. Au lit. Oh, Valdemir, non, j'ai pas envie de me faire mordre. Merci. Au revoir. Regardez, elles sont trop mignonnes. Avec le Loki au milieu, c'est trop chou. Tac, et tu vas mettre, c'est qui est debout? C'est Amy. Et donner à manger à Amy. Tu vas lui donner des céréales. Toi, tu vas donner à manger à Prune. Pareil, des céréales. On mange proprement, mes petites. Peut-être le père que je lui mets un pyjama parce que rester en caleçon, ça fait moyen maintenant devant ses filles. Ah, ça y est, ils ont fini. Hop. Tu vas relâcher. Relâcher. Oh, tu es trop mignon. J'adore l'action avec les bambins. Et... Mais non, j'allais te mettre au pot, ma cocotte. Départez d'ici. Non, me laisse pas, reviens. Mais papa, il va revenir, ma cocotte. T'inquiète pas, ma chérie. Tiens, bah, tu vas mettre Prune au pot. Qu'est-ce que t'as? T'as touché un truc qu'il ne fallait pas? Que c'est dégoûtant? Pauvre chérie. C'est juste la couche de ses filles. Discute avec ton nounours, là. Ça va te faire augmenter les compétences. Ah, niveau 2, la communication pour Prune. Génial. Ça va, les filles? Ah, le père rentre. Ah, et Miss Amy a faim. Et on a eu une promotion. Il a eu une promotion, Jonas. C'est cool. Travailleur pour la justice sociale. Pourquoi les gens, ils viennent tout le temps faire des bonhommes de neige à côté de chez nous? On peut pas aller ailleurs, non? Non, mais sérieux, elle a jeté son assiette, là. La petite garce. Donner à manger à Prune. Hop. Hop, tu vas promouvoir un truc avec ta femme, là. Promouvoir une cause. Hop. Oh, regardez, elles sont trop mignonnes. Mais arrêtez de jeter la nourriture, les filles. Non, mais non, c'est... Voilà, c'est bien, Sarah. Dispute ta fille, là. 8 heures au lit, les filles, c'est impeccable. Mais va prendre un bain. Merci. Oh, c'est pas mal, ça. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Pas reposante du tout, du tout. Pas reposante du tout. Alors, avant de revoir les filles, au niveau des compétences, on a communication 2 pour Prune. Non, 1. J'attends qu'ils soient au moins à 3.
d'au moins 3 compétences pour faire un bébé. Elle est un niveau 2 de l'imagination, c'est cool. En peau, on est bientôt au niveau 2 aussi. Ça va être rapide, je pense, hein. Elle aussi. Donc c'est cool. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller, les cocos. Allez, debout. Allez, Jonas. T'as le boulot. Allez au travail. Tu vas aller préparer le petit-déj. Prends dans les bras, s'il te plaît. Prends Emmy. C'est Emmy, elle. Oui. Prends Emmy dans tes bras. Bon, j'ai cassé demi-mur, là. Oui. Hop, j'espère que ça va marcher. Donne un bain à prune, loup d'une pipe. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait, cocotte? Piquer une couleur, non? Faire une sieste par terre. Déambuler, vas-y. Hop, maintenant tu vas donner un bain à Amy. Tu vas aller discuter avec. Frapper. Frapper, mais ça va pas, non? On frappe pas son nounours? C'est quoi ce bambin violent? Ouais, qu'est-ce qu'elle fait dehors, la puce? Tu vas en pyjama dehors en plus. Tu veux mourir de froid, quoi? Voilà. J'adore. Oh, regardez, ils sont trop mignons. J'adore l'interaction avec les bambins et les chiens. J'adore. Oh, la baignoire, elle est crade. Deux bambins se sont lavés et la baignoire est déjà crade. Ah, communication 3. Génial. Jouer avec un jouet. Hop, développe ton imagination. Et toi, c'est bien les filles. Développez votre créativité et tout. Alors, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai entendu dire que vous étiez une personne fantastique. Aimeriez-vous faire un don généreux pour une œuvre caritative? Mille simflouz? C'est gentil, mais j'ai que 2000 simflouz. Je ne suis pas assez riche pour vous donner de l'argent. Je suis désolée. Bon, Jonas est malade. Elle va dormir. Non, mais sérieux! Mais Prune, mais qu'est-ce qu'elle est méchante! Je te donne à manger! Non, mais elle est relou, la Prune, à jeter son assiette. Oh, mais non, c'est Amy qui s'y met! Mais sérieux, c'est quoi ces jumelles? Oh, Sarah aussi, elle est malade. Si tout le monde est malade, on est mal. Après, tu vas la mettre au lit. Ah! Communication 2 pour Rémi. Et ben voilà, ta prune qui s'est évanouie. Attends, le père, tu te relèves? Il y en a une qui est déjà réveillée, niveau 2 du mouvement pour mademoiselle. Oh, regardez-moi, ils sont trop mignons, les filles. Encore un boulot durant 4 pour le sport. Non, de toute façon, non, ça m'intéresse pas. C'est gentil de penser à moi, mais non. Hop! Coucou ma beauté, regardez la miss. Oh, elle pue la miss. Niveau 2 du mouvement, c'est cool. Allez, plus que 3 de chaque et on va faire un bébé. On va réveiller la cocotte, sinon elle va trop dormir là. Elle va plus dormir ce soir. Oh, regardez Bibi. Oui, je suis trop fan. Est-ce que le linge est propre? Merci. Vider le linge, mettre tôt, c'est chaud. Il ne faut pas le feu. Maintenant que tu as mangé ma cocotte, tu vas aller au lit comme une grande. Et toi, tu vas aller au lit après avoir mangé. Non mais sérieux. Jonas n'arrivait pas à allumer le sèche-linge, mais Sarah, elle arrive. C'est quoi ce délire? Tiens, tu vas prendre un bain. Elle n'a pas eu de promotion. Prendre une bouture, toujours une bouture. Marche pas dans la crotte, marche pas dans la crotte. Regardez-moi, elles sont trop mignonnes, mes jumelles, et elles puent. C'est des jumelles qui puent. T'as besoin de t'amuser, toi, ma cocotte? Bah, va jouer en attendant que ta sœur, elle prend son bain et ce sera à ton tour. Tu vas la mettre au pot. Et après, tu vas donner un bain à Prune. Non, 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 non. Hey, c'est pas la petite qui décide. Hein. Amy, tu vas au pot. C'est les gosses qui décident, mais le plus quoi encore? Et puis quoi encore? Hop! C'est bien, elle atteint le niveau 2! On est comment? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, partout! C'est cool! Déjà, Jonas, il a été promu responsable de l'action communautaire! Alors, encore une offre de travail! Non merci, c'est pourquoi ça? Les médias sociaux? Ah non! Oh, imagination 3 pour mademoiselle Amy!
Ah, communication pour c'est qui? Pour Amy. Et Kat, communication prune, c'est génial. Ah, prune à... Prune, oh, c'est trop mignon. Allez, va dormir. Bon, prune, c'est pour prune, c'est bon. Il reste plus que Amy a développé une seule compétence au niveau 3 et on ira faire un bébé. Alors, c'est le matin déjà, 6h. Et la miss Amy est déjà réveillée. Elle va aller se servir à bouffer. Alors, le travail pour Sarah à la maison, comme d'hab. Pourquoi tu prends pas toutes les assiettes? C'est bon! On est à 3 partout chez les filles. Hop, quand Jonas va revenir, on fera crac crac. Appel à la chaîne. Il faut lever rapidement des fonds afin de masquer le soutien promis par un donateur anonyme. Jonas manque de personnel et de lignes téléphoniques. Mais le temps presse, il ne semble y avoir que deux options. Recruter le bureau voisin ou descendre dans la rue. Jonas appelle le bureau voisin et lui demande de l'aide. Face à la sincérité de Jonas, celui-ci se rallie à sa cause et lui prête main forte. Les fonds sont récoltés en un rien de temps. Génial! Elles sont trop mignonnes, regardez ça! C'est trop chou! Dès que Jonas rentre du travail, on lui saute dessus. Eh ben, impeccable! Impeccable! Hop! Allez, Jonas, viens faire un bébé avec ta femme. Allez, ils vont faire un bébé. Ils vont essayer, en tout cas. Et on va se quitter là-dessus. Parlez. Imiter. Oh, ils sont trop mignons. C'est bon, les parents, ils ont fait crac-crac. Bon, allez, on va faire un test de grossesse pour savoir. On va pas attendre. Oui, elle est enceinte! Bon les amis, on va s'arrêter sur cette belle image et on se retrouve très bientôt. Je vais devoir agrandir la maison comme d'habitude avec cette famille. Je n'en finirai pas avec cette maison. Donc, likez, commentez, abonnez-vous. Bisous.